Alors monsieur, vous êtes suisse alors? Oui, mais je me soigne. Alors pourquoi vous venez avec nous en fait? Pourquoi? Bien, que... Par sympathie, nous par les Suisses on est pour la paix, et on n'aime pas les violences policières. Bah, nous on est servis en ce moment. C'est une horreur, hein. C'est une horreur, il y a des gens qui meurent, des mâchoires fracassées, des yeux percés, des mains arrachées, c'est un état de guerre civile, c'est l'horreur. Comment? C'est partout la même chose. Partout la même chose. On est tous intoxiqués par les mass media officiels. Vous êtes tous intoxiqués? Par leur travail. Donc vous utilisez les réseaux sociaux, vous? Notamment, par exemple, ou le bouche à oreille, ou le téléphone. D'accord. Donc, ce qui est inadmissible, c'est que nous, en tant que Suisse, on connaît bien la finance, hein, c'est le pays des banques. Et moi-même, en tant que banquier, je peux dire que le monde entier pourrait très bien vivre. On a une surabondance de tout. On a trop de pain, trop de beurre, trop de viande, trop de fromage, trop de monde, trop de voitures, trop d'ordinateurs, trop de téléphones, etc. Mais qu'il y a une infime minorité qui planifie la rareté et qui organise... par méchanceté, par bêtise ou par excès de pouvoir, qui organisent les raretés, qui organisent le manque pour contrôler le monde, alors qu'on pourrait tous très bien vivre, et notamment au niveau impôt, par exemple, on a découvert en Suisse, grâce à Monnaie Pleine, il y a les publicités là de Monnaie Pleine, on a découvert qu'en prenant une microtaxe, une nanotaxe, miette, même mieux, la taxe Tobin, sur toutes les créations monétaires, notamment les créations monétaires et les flux financiers, on pourrait se passer de toutes les déclarations fiscales, privées, publiques, d'entreprises, TVA, direct, indirect. Mais là, vous parlez au niveau mondial? Mondial. Le monde entier pourrait vivre en prenant une miette sur tous les transferts et créations monétaires dans le monde entier. Toutes les spéculations qu'il y a, on laisserait les gens faire leur cuisine financière, mais en prenant une miette sur tout ce qui se passe dans la finance internationale, les black shadow, les black pool, le shadow banking et toutes ces choses, tout le monde pourrait très bien vivre dans le monde entier. Il n'y aurait même plus besoin de réfugiés qui traversent la Méditerranée et qui viennent en Europe. On pourrait tous très bien vivre. Et c'est scandaleux qu'on doit faire des guerres civiles en France et vivre. Vive les gilets jaunes français, vous êtes un exemple pour le monde, tenez bon, tous très bien vivre sur la planète entière. Là monsieur, vous allez me donner la larme à l'œil, franchement. Voilà, mais c'est la vérité ce que je vous dis, on peut tous les humains peuvent bien vivre. Merci monsieur.